Cette semaine à l'émission, Francine et ses copines. Alors, je suis très fière de ça, Francine et ses copines. Et d'où ça vient? Ben, c'est que avec la BBS, je faisais les parties de balcon durant la COVID. Et puis, là, il y a des gens qui m'ont dit, là, quelques mois, « Bien, Francine, vas-tu refaire des parties de balcon avec les filles là, qui dansaient, puis qui s'excitaient, puis qui s'amusaient? » Puis, je disais, « Bien non, on ne fait plus ça. Le COVID est fini, là. On rentre dans les places, puis on fait de la musique dans les places. » Puis là, ça me titillait l'idée de ça, puis moi, je fais partie du CA de la BBS. Puis Francine, les parties de balcon, bien, c'était Anne Roy qui faisait ça avec moi. Puis c'était la BBS, puis on faisait les résidences. Ça fait que j'ai appelé Anne Roy, puis j'ai dit, « Crime, je me fais demander les parties de balcon, puis j'aurais l'idée de me partir quelque chose. Pourrais-tu me donner le nom des filles qui venaient aux parties de balcon? » Ça fait que là, elle m'a donné les noms, on a fait une petite page Messenger, puis moi, bien, j'en ai parlé au CA de la BBS, vu que je fais partie du CA, pour voir si eux autres étaient d'accord de me prêter leurs bénévoles. Puis ça a été oui tout de suite. Fait qu'on a parti une page Messenger avec tous les noms des filles qui avaient fait les parties de balcon. J'en ai quelques-unes qui ont embarqué dans le projet. Et puis, j'ai fait aussi une annonce Facebook, une vidéo, tout simplement, comme je suis, en annonçant que je passe ça, Francine et ses copines. Puis là, il fallait que je trouve le nom, mais j'ai fini par trouver. Et puis, j'ai eu des noms des personnes qui se sont inscrites par Facebook. Fait qu'on a monté une petite empire avec ça. Moi, j'appelle ça ma petite PME. Et puis, c'est de là que vient l'idée de Francine et ses copines. Moi, c'est moi qui fais toute la musique. Je suis principalement la musicienne-chanteuse. Les filles se sont impliquées parce qu'on va voir les aînés. On va voir les gens dans les CHSLD. On va voir les gens dans les résidences aux petits soins, les semi-autonomes. Et on va égayer leur journée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on arrive là, moi j'installe mes choses. J'ai un gros, gros sac. Dans mon sac à surprise, j'ai des déguisements. Style, mettons, notre thème, c'est country. On a plein de chapeaux de cow-boy, on a des foulards, on les habille, on les déguise, ceux qui veulent comme de raison. Ensuite de ça, les filles dansent avec eux, ceux qui peuvent se lever debout, danser. Ceux qui ne peuvent pas, ben ils les prennent par les mains, ils balancent avec eux, ou ils les promènent tout simplement dans la salle avec le fauteuil roulant, ils les font danser. Et ça, ça leur apporte vraiment, vraiment, vraiment du bonheur. Puis de bouche à oreille, ben une a dit, « Hey, tu devrais essayer ça. C'est tellement le fun de voir leur sourire. » Puis on est rendu, à force de retourner souvent aux mêmes places, on arrive, puis là, on entend, « Yeah, Francine et ses copines qui arrivent! » Puis, tu sais, c'est vraiment le fun. Tous mes bénévoles sont inscrits aux bénévoles à la BBS, ce qui leur donne des petits avantages aussi, d'avoir droit aux activités gratuites. S'il y a des spectacles que la BBS fait, ils ont droit à des entrées gratuites. Fait que c'est un beau partenariat qu'on a ensemble. L'autre partenariat que j'ai, que je tiens vraiment à parler, ce sont mes cartes d'anniversaire que mes amis me font. Alors, on est partenaire avec l'école Les Sources. L'école Les Sources, c'est une école pour des adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Puis je leur ai proposé de me faire des cartes d'anniversaire pour donner aux aînés les anniversaires du mois. Alors, ils me font des belles cartes, là. Regardez ça comme c'est beau, ils sont pleins de talent. Puis, ils mettent des petits mots à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment beau de voir ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec... Puis, j'ai aussi partenariat avec Joanne Maheu, qui est artiste peintre, qui est au Joie le Vert.
Puis elle fait de l'animation en art plastique au rappel. Puis ça, c'est des personnes en santé mentale. Alors, c'est vraiment un beau partenariat qu'on a avec tous ces gens-là pour apporter du bonheur. Puis on a nos petites cartes du bonheur. Nos petites cartes du bonheur, ça, c'est la BBS qui les ont fait. Puis là, ils me les donnent. Puis moi, je peux les distribuer. Fait que je vais t'en faire, puis j'ai une carte du bonheur. Tu vas voir qu'est-ce que c'est la carte du bonheur qui dit « Ton temps est précieux ». Alors, on a plein de beaux petits mots là-dessus, là, les cartes du bonheur. C'est vraiment, vraiment le fun. Normalement, c'est des jeux de cartes qui sont en vente à la BBS, mais moi, ils me les donnent parce que ça va aux aînés. Puis comme... Il y en a là, ils accumulent leurs cartes. Quand on va plusieurs fois, une madame l'autre fois m'a dit « Moi, je suis rendue à 8, là, puis pas une pareille, puis je les aime, mes cartes. » Puis, tu sais, des fois, ils prennent la carte, là, puis ils la lisent. Là. Il y en a qui ne peuvent pas lire. On leur lit, puis là, ils prennent leurs cartes, là, puis tout l'après-midi, ils tiennent leurs cartes, là, et ils ne veulent pas lâcher leurs cartes. C'est précieux pour eux. Puis leurs cartes d'anniversaire, ben ça a déjà arrivé une fois qu'on n'avait pas d'anniversaire ce mois-là. Puis là, il y a une madame, elle a dit « Oh, personne ne va avoir de carte. » Puis, j'en avais de surplus. Ça fait que c'était des cartes qui étaient décorées pour Pâques. Ça fait que j'ai calculé, j'ai dit aux filles, calculez combien qu'il y en a. Ils ont dit « On en a assez pour tout le monde. » Fait qu'on en a donné à tout le monde. Puis là, ils étaient toutes contentes d'avoir une carte de fête, même si c'était pas leur fête. Ben moi, premièrement, je suis une maniaque de musique. Je suis folle de ça. J'adore chanter. J'adore divertir les gens. J'adore donner de mon temps. J'aime les personnes âgées. Les personnes âgées, je me dis, les aînés, c'est leur dernier lieu. On veut les amuser. On veut les divertir. Puis quand on arrive avec la musique, on dirait qu'on vient d'allumer comme une lumière dans leur tête. Ils entendent une chanson, ils font... Puis là, ils sont là, là. Puis la chante du début à la fin, c'est surprenant. Au début, quand j'ai commencé, je disais, « Oh, je pourrais pas. » Mon Dieu, c'était... Tu sais, ça venait me toucher parce que mon père avait été dans un CHSLD. Mais je me suis dit, « Garde, là, wow, t'apportes du bonheur. Ils sont contents quand t'arrives. Tu les vois sourire, tu les apportes... du plaisir. Avec les copines, c'est encore mieux parce que j'avais commencé toute seule. Puis quand j'ai embarqué les copines, mais mon doux, la différence. Puis je le dis souvent aux filles, vous êtes précieuses. Puis là, je dis les filles parce que j'ai des copines et des copains maintenant. Alors, j'ai deux copains, puis j'ai 21 copines. Puis ils sont précieux pour moi. Ils sont précieux parce que retourner toute seule, je pense que je trouverais ça dur. Parce qu'ils animent, ils font plein de choses que moi, ben, je joue de la musique, je peux pas tout faire. Fait que c'est vraiment un plus. Ben, au début, le choix musical, j'ai été chercher dans les souvenirs que ma mère chantait. Partons, la mer est belle. Ces vieilles chansons-là, qu'est-ce que les gens aiment beaucoup, beaucoup, des chansons de Paul Brunel, Marcel Martel, « J'ai un amour qui ne veut pas mourir ». Tu sais, j'ai été chercher des vieilles chansons de répertoire. Puis de fil en aiguille, mais des fois, les gens m'en demandent. Ils me disent « Hey, chantes-tu ça, toi, du Johnny Cash? » Ça serait le fun. Tu sais, puis j'ai mon répertoire, c'est ça. C'est des vieilles chansons que les gens peuvent chanter avec moi. Puis de temps en temps, je leur sors une petite chanson rétro. Des petites chansons d'amour, mais jamais rien de triste. Toutes des chansons comme Un baiser de toi. Oh mon Dieu, il aime ça, cette chanson-là. Fait que j'y vais avec le country, western, un petit peu de rétro. Même l'autre fois, on a chanté Trois petits coups, puis ils ont aimé ça. Puis j'y vais aussi avec des thèmes, comme à Noël, ben, je chante les chansons de Noël, de Jour de l'An. La fête des mères, ben là, je vais chanter des chansons pour les mamans. Fête des pères. On n'a pas beaucoup de chansons pour les papas, mais j'en ai quelques-unes. Je vais avec des thèmes aussi au travers de ça.
Bien, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais un beau moment qui me touche beaucoup, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est quand on entre, puis qu'il y en a, mettons, qui sont déjà installés dans le salon. Là, je te parle plus des CHSLD. Ils sont installés dans le salon, ils dorment sur leur chaise. Tout d'un coup, nous, on arrive, puis là, ils entendent rouler le chariot. Puis là, tu les vois se lever la tête, puis ils font la musique, c'est les copines qui arrivent, puis de voir la joie là, dans le regard. Là, oui, il y a des beaux moments, des fois, quand on les fait danser, on a des centenaires. À Saint-Côme, on a notre copain qui a dansé avec une madame de 100 ans, puis on a filmé ça, puis pour ses enfants. Puis, tu sais, c'est tous des beaux petits moments de bonheur, là, puis des choses qui nous enrichissent beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent de tout ça, c'est qu'il y a toujours moyen de donner du temps, comme mes bénévoles font, donner du temps pour faire de la joie, du sourire aux gens, apporter du bonheur, puis sans compter, comme on dit, hein. Puis oui, il y a toujours une ouverture pour avoir des nouveaux copains, surtout des nouveaux copains, et des copines. Puis parce que moi, je gère ça, tu sais, j'ai mon petit calepin, j'écris toutes mes places qu'on va. Là, j'écris sur Facebook, on va à telle place. Puis là, ils me répondent, oui, moi, j'y vais. Moi, quand j'en ai 3-4, OK, c'est beau, là, cette place-là est complète. Puis, tu sais, moi, si je fais ça aujourd'hui, c'est parce que je veux souligner tout le dévouement qu'ils font. Tout ce qu'ils me donnent à moi aussi, là, en venant avec moi, puis me faisant confiance. Puis moi, je leur redonne en faisant des petits déjeuners. Une fois par mois, on se réunit, toute la gang, ceux qui peuvent venir, on fait des déjeuners. Je fais tirer des petits cadeaux pour les remercier. Puis c'est mon but de tout ça aujourd'hui, c'est de souligner tout le bénévolat que mes copains et copines font pour moi.